Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'événement de Aizawa. Comme vous le savez, c'est un événement où on pourrait avoir notre premier perso free-to-play S. Malheureusement, d'après certains calculs et d'après mon expérience à moi, j'ai gaspillé déjà plus de 1200 gemmes, enfin plus de 1200 pièces d'héros à recharger ma stamina tout au long de cette semaine. Je me suis dit, ouais, peut-être que j'aurai une chance de l'avoir. Finalement, je joue entre 2 à 4 heures par jour sur un jeu mobile. En moyenne, une personne normale ne dépasse pas une heure et demie par jour sur un jeu comme ça. En sachant que la stamina nous fait que nous utilisons, on peut utiliser jusqu'à quoi? 100, 160, 180. 180 en étant free to play avec les 3. Avec les trois recharges des trois horaires spéciaux. Du coup, 7h du matin, midi, 18h. Ok, tranquille, ça nous fait 25, 25, 75 au total. Plus 120, plus la régène automatique. Ce qui est aux alentours de 200 à 250 par jour. Ce n'est pas du tout suffisant. En sachant que moi-même, j'ai mis énormément de recharges sur la stamina. À l'heure actuelle, j'ai réussi à peine à monter 6 persos niveau 60. Du coup, allez sur le Twitter. On va directement basculer sur le Twitter. Du coup, il faudra juste aller ici. Et ce petit message que le youtubeur espagnol a partagé, faudra juste le partager. Allez sur Twitter. Je mettrai le lien dans la description et en commentaire pour partager ce tweet qui est super important pour pouvoir juste changer la date et la rallonger ou la mettre en permanence. Parce que réellement, je sais que énormément d'entre nous, ou même d'entre vous, ceux qui ne peuvent pas payer, ne pourront pas l'avoir. Il reste quoi? Il reste encore une semaine et demie, 10 jours, 10, 12 jours. C'est quasiment impossible pour les free-to-play de l'avoir. En sachant que moi j'ai payé, que Fufu a payé, que Susucre a payé, que plein de joueurs ont payé. Et il y a quoi? Je dirais que les gens qui pourront vraiment l'avoir, c'est ceux qui payent et qui sont au même niveau que Sitin. Vous savez, celui qui a mis plus de 2000 euros, 2000 dollars. Réellement, à part lui et Queen ou Nemsama ou quelques autres youtubeurs, réellement, si on met pas plus de 1000 balles, on n'aura aucune chance d'avoir ce personnage. Du coup, on est sur l'accueil. On est sur l'accueil du jeu. Attendez juste, je masque ça. On est ici. Vous allez appuyer sur support. Vous allez sur support. Et vous allez ici. Ici, là, vous allez juste copier le message que je vous ai montré juste avant du youtubeur espagnol. Regardez ici. Une fois que vous êtes ici, ce que vous allez faire, vous allez juste copier. Vous allez copier le message. The Aizawa event is practically impossible. Du coup, vous allez copier entièrement ce message-là. Et vous allez dans support, on rebascule de page. Et vous êtes ici. Une fois que vous êtes ici, vous envoyez votre message. De toute façon, le support et enfin le support peut accepter l'anglais, l'allemand et le français. Du coup, ce que vous faites, après avoir copié votre message, vous l'envoyez juste ici. Le plus important, c'est de toucher un maximum les développeurs avec ce message-là. Juste un copier-coller. Ils verront qu'ils auront une masse de messages automatiques de plusieurs comptes différents, de plusieurs adresses IP différentes, etc., etc. Et au bout de quelques jours, voire de quelques semaines, ils vont changer et sûrement soit rallonger la date ou soit le mettre en event permanent, que ce soit pour les nouveaux joueurs ou pour les joueurs qui sont là depuis le début du jeu. Du coup, on va le faire ensemble. On fait ça, on envoie et on attend. On attend, vous faites ça, vous faites la même manip que moi. Et par la même occasion, vous allez sur Twitter, comme je vous l'ai dit, et vous partagez ce tweet. De toute façon, je l'ai partagé depuis mon compte perso. Attendez. Ok. Partagé depuis mon compte perso. Et du coup,
Du coup, on se retrouve ici sur mon compte Twitter. Et la première chose que j'ai partagée sur le compte, sur mon compte profil, vous allez juste sur mon profil ici et vous allez voir ce message. Si vous n'arrivez pas à accéder au support du jeu en copiant ce message-là, vous allez tout simplement partager RT. Du coup, vous faites ça. Et vous allez voir que énormément, énormément de personnes l'ont fait. Il y en a même certains, ils ont fait des calculs que soi-disant c'était impossible de l'avoir. Tout ça, on n'avait pas besoin d'avoir des calculs. C'était une question qu'on se posait depuis quelques jours en live, en vidéo. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Est-ce que c'est possible de ne pas l'avoir? Et la réponse, c'est tout simplement impossible de l'avoir en étant free to play. En économisant un maximum, en sachant qu'il faut économiser pour les futurs portails, que ce soit pour Endeavor, Stain, Shigaraki, All Might, etc., etc. Du coup, je vous invite à partager ce message pour tout simplement toucher un maximum les développeurs. Soit vous copiez le message, soit vous le copiez, vous l'envoyez au support depuis le jeu, soit vous allez sur Twitter et tout simplement vous partagez le petit tweet de la part du youtubeur espagnol Kazeshin. Sur ce, je vous dis ciao, merci d'avoir regardé la vidéo, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et ça me ferait énormément plaisir. Peace, prenez bien soin de vous tout le monde, ciao ciao!